Bonjour à tous et bienvenue sur dans cette conférence où je vais essayer de vous parler un peu des métiers de l'informatique d'aujourd'hui et de demain et de vous décrire un peu ces différentes carrières et leur diversité. Donc, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Axel Zilder, je suis la directrice générale de Supinfo. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique à des postes assez variés, donc au-delà de ma connaissance de l'enseignement supérieur, j'ai une très bonne connaissance de l'informatique, de ses différents métiers et de son évolution extrêmement rapide, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On n'est pas extrêmement nombreux, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre en tapant un message dans le chat si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne ou que je précise. Et puis par ailleurs, je serai de toute façon disponible sur le stand de Supinfo à l'issue de la conférence, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord quand on parle de métier de l'informatique, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, il y a une citation que j'aime bien, c'est de Dijkstra, qui est très vieille maintenant, informaticien, qui dit « Les ordinateurs sont à l'informatique, ce que les télescopes sont à l'astronomie. » C'est-à-dire que l'informatique, ce n'est pas tellement en pratique l'étude des ordinateurs en eux-mêmes, c'est surtout une science et une technique qui utilisent les ordinateurs pour accomplir un certain nombre d'objectifs pour des entreprises, pour des clients, pour des associations, pour des groupes. Il faut prendre conscience que les ordinateurs sont avant tout un moyen et que le métier d'un informaticien, c'est de mobiliser ce moyen pour faire plein de choses différentes. C'est ce qui fait la diversité et l'immense richesse des carrières dans l'informatique, c'est qu'en fait, en pratique, on est là pour fournir des moyens de résoudre tout un tas de problèmes très, très différents les uns des autres. Les métiers de l'informatique, donc quand on parle d'informatique aujourd'hui, on pense à l'informatique en elle-même, la partie technique, une dimension électronique qui est tout ce qui est le matériel. Alors, le matériel, c'est les ordinateurs, c'est un peu intuitif pour tout le monde, mais c'est aussi l'intérieur d'une voiture connectée, des capteurs intelligents pour gérer le niveau d'un cours d'eau ou des champs, par exemple, des champs agricoles. C'est des bornes intelligentes qui sont déployées dans les villes pour diffuser de la pub, c'est l'informatique embarquée dans l'armement. Il y a vraiment des applications qui sont à peu près partout. Et bien sûr, les téléphones portables qui ne sont jamais que des ordinateurs avec une forme différente. Il y a ensuite une dimension qui est de plus en plus importante et qui est aujourd'hui un des nerfs de la guerre de l'informatique, qui est tout ce qui va concerner le marketing. Alors, le marketing, en premier lieu, et de façon assez évidente, c'est la pub sur Internet, hein, qui est un métier en soi et un métier qui est extrêmement important, extrêmement stratégique et très lucratif. C'est d'une façon plus générale, comment est-ce qu'on utilise tous ces moyens informatiques pour communiquer, pour atteindre les gens à qui on veut parler.
Et ensuite, il y a une dimension design qui est très importante, comme dans toutes les activités qui supposent l'interaction avec des choses écrites, la capacité à designer ces choses, la capacité à avoir une expérience utilisateur qui est efficace pour les humains est quelque chose de très important. Donc, déjà, en termes de domaine brut, on a quelque chose de très vaste. Alors, nous, on va plutôt aujourd'hui se concentrer sur ce qui concerne l'informatique pure, mais sachez qu'il y a encore d'autres domaines autour de l'informatique. Alors, il y a une première question qui est, on sait que la cybersécurité va recruter, alors on sait que l'informatique, d'une façon générale, mais à terme, risquons-nous d'être trop nombreux pour le nombre d'emplois à pourvoir? Alors, j'y reviendrai un peu plus tard dans ma présentation, mais sans ambiguïté, la réponse est non. Aujourd'hui, le déficit de personnes formées en informatique est colossal, je vais en parler un tout petit peu, et il n'y a absolument aucun risque qu'il n'y ait plus d'emplois à pourvoir. Le risque, qui n'en est pas un, mais ça aussi j'en parlerai, c'est que les emplois dans lesquels vous vous projetez aujourd'hui au début de vos études vont évoluer, et donc potentiellement vous n'aurez pas exactement l'emploi que vous vous étiez figuré, parce que les choses changent énormément. Quand moi j'ai une quarantaine d'années, quand j'ai commencé ma carrière, les technologies qui étaient les technologies sur lesquelles il fallait travailler sont plus du tout, n'étaient pas du tout les mêmes qu'actuellement. Et donc, un informaticien, pour avoir une carrière intéressante, il doit se former et se renouveler. Mais aujourd'hui, dans les pays occidentaux, former trop d'informaticiens pour le nombre d'emplois à pourvoir, ce n'est pas du tout un danger. Le problème est l'inverse. Aujourd'hui, il y a en gros un poste sur deux en informatique qui n'est pas pourvu, et la moitié des 10 métiers qui recrutent le plus en France relèvent des métiers de l'informatique. Donc, quand on dit métier de l'informatique, de quoi on parle? Alors déjà, en général, quand on se projette dans un métier, on cherche avant tout un domaine. Est-ce que je vais travailler plutôt dans la mode ou plutôt dans le transport? Alors, il y a des informaticiens qui travaillent dans la santé, dans l'agriculture, dans la logistique, dans le transport, dans l'énergie, dans la dépendance, donc dans tout ce qui est... dans tout ce qui est accompagnement, dans l'architecture, dans la puériculture. Bon, j'arrête, ça va être long. On a des informaticiens dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire que quand vous choisissez l'informatique, vous ne limitez pas votre carrière à un domaine particulier. Vous aurez très probablement l'occasion dans votre carrière de travailler dans l'éducation, dans la santé, dans énormément de domaines différents. Il n'y a vraiment plus aucun domaine où l'informatique n'est pas une demande forte et où un informaticien ne peut pas s'orienter. Quand on imagine une carrière dans l'informatique, on imagine aussi un certain nombre de technos qu'on va maîtriser. Donc, on peut parler de choses un peu à la mode, comme la réalité augmentée, les objets connectés, l'intelligence artificielle, le réseau, la crypto-monnaie, les bases de données, la blockchain, la domotique, l'impression 3D. Pareil, je vais accélérer. De la même façon, il ne faut pas du tout imaginer l'informatique comme un milieu monolithique. Une fois que vous avez acquis des compétences en informatique, vous pouvez accéder à une très, très grande variété et de domaines et de techniques, ce qui rend, je me répète, les carrières extrêmement diverses. Alors du coup, pourquoi choisir de faire une carrière dans l'informatique? La réponse évidente de parce qu'on est intéressé par l'informatique, je pense vraiment que c'est un choix de carrière qui est extrêmement intelligent stratégiquement et qui donne de très très bonnes perspectives. C'est des carrières où on va avoir l'occasion, on a un peu l'image de l'informaticien qui travaille tout seul, mais en fait, à l'opposé, dans la plus grande partie des postes en informatique, on va avoir l'occasion de développer du travail en équipe, avoir l'occasion de déployer sa créativité. L'informatique, c'est vraiment un métier créatif. Alors, pas créatif dans le sens où on va dessiner quelque chose, bien sûr, mais créatif dans le sens où on va vous demander de faire preuve d'initiative pour résoudre des problèmes. Donc, vous allez mobiliser une capacité de résolution autonome. On n'est pas du tout dans des métiers où on exécute des solutions déjà prévues. Et c'est extrêmement gratifiant quand on pratique ces métiers-là. C'est des métiers qui permettent énormément d'initiatives et de liberté. Vous pouvez travailler dans une petite ou dans une très grande structure. Vous pouvez travailler en ville, vous pouvez aller travailler en télétravail à la campagne. Vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez rester en France. Il y a vraiment une immense diversité de possibilités. C'est des métiers qui sont très bien rémunérés, qui permettent des évolutions très rapides. Aujourd'hui, un informaticien qui s'accroche à sa carrière et qui est brillant, il va doubler à peu près son salaire dans les 10 premières années de sa carrière. Il y a vraiment énormément d'évolutions, à la fois vers des postes de management, et aussi, ce n'est pas si fréquent, il y a la possibilité d'avoir des évolutions très rapides en restant technique, c'est-à-dire sans prendre de responsabilité de management, en fonction de ce dont vous avez envie. C'est des métiers donc, avec des salaires très attractifs, et ça, c'est de plus en plus vrai, c'est lié au fait qu'il y a une demande très très forte. Et c'est des métiers qui permettent une grande qualité de vie, parce qu'il y a quand même une assez grosse souplesse qui permet, en fonction du type d'emploi que vous allez choisir, d'avoir une certaine marge d'adaptation sur ses horaires,
sur ses conditions, sur son lieu de travail. Alors, je vais prendre une autre question. Pour travailler dans la cybersécurité, est-ce que c'est vrai qu'il faut savoir gérer son stress? Ça dépend des postes dans la cybersécurité. Pour faire ce qu'on appelle du pen test, c'est-à-dire travailler sur le test en direct des infrastructures d'une entreprise, ou pour faire de l'intervention sur des incidents où on va devoir, un peu comme dans les films, lutter contre une attaque qui est en train d'avoir lieu, essayer d'en gérer les conséquences. Effectivement, c'est préférable d'avoir un certain calme et une certaine capacité à pas se laisser embarquer par le stress. Mais il y a aussi des métiers de fond dans la cybersécurité. On peut être par exemple ce qu'on appelle architecte sécurité. On va plutôt réfléchir en amont à comment est-ce qu'on doit mettre en place un système d'information pour qu'il ne soit pas possible qu'il soit attaqué. Dans la cybersécurité, il y a énormément de postes avec des dimensions humaines assez fortes. Le premier danger en sécurité, c'est les utilisateurs de l'entreprise. Et donc, on va faire des formations auprès des gens pour leur apprendre à respecter les principes, etc. Et pour ces métiers-là, la question du stress est beaucoup moins importante. Donc, pour faire de l'intervention en direct en cybersécurité, il est effectivement préférable d'avoir une certaine capacité de gestion du stress. Mais il y a énormément de carrières qui sont plus, on va dire, qui relèvent plus du système d'information et de l'organisation de la sécurité au sein de l'entreprise, qui ne demandent pas particulièrement de capacité à réagir sous pression ou de réagir au stress. Et alors, du coup, vous avez parlé un peu d'emploi. Alors, vous ne m'avez pas posé, j'avais anticipé une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais qui est, et en France, qu'est-ce que ça donne? La France, aujourd'hui, est un des poids lourds de l'informatique mondiale. On estime que 83% des Français sont des utilisateurs d'Internet. Il y a eu 700 000 emplois créés en 15 ans, et on prévoit à peu près la même chose dans les 5 ans qui viennent. Je ne sais pas si 700 000 emplois, vous avez un ordre de grandeur de ce que ça représente, mais à terme, on imagine que l'informatique, ce sera à peu près 10% des emplois en France. C'est un des leaders européens sur tout un tas de domaines. C'est un des pays où le gouvernement est le plus informatisé. Et l'informatique, aujourd'hui, c'est 6%. Ça a un peu augmenté depuis que j'ai écrit cette slide, 6% du PIB français. Donc, vraiment, on vit, ça reste possible d'aller travailler à l'étranger, mais on vit dans un pays où l'informatique a une carrière extrêmement porteuse. Il ne faut pas du tout imaginer que pour faire une carrière brillante dans l'informatique, c'est nécessaire d'aller aux États-Unis ou en Chine. C'est tout à fait possible, mais c'est aussi tout à fait possible de faire des carrières exceptionnelles en France. Toutes les grandes entreprises maintenant ont des centres en France du fait de la qualité des formations informatiques en France. Et donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à cause de ça. Les métiers... du coup, le thème de la conférence auquel j'ai essayé de réfléchir, c'est qu'est-ce que c'est les métiers de l'informatique de demain? Alors, les métiers de demain, à mon avis, c'est quand même le début des métiers d'aujourd'hui. L'évolution, c'est une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, les métiers qui recrutent en informatique, ils sont extrêmement variés. On peut avoir des métiers comme traffic manager ou responsables SEO qui sont plutôt orientés vers le marketing, des métiers comme développeur web, ingénieur en système d'information, architecte cloud, expert en sécurité, cybersécurité, qui sont plutôt des métiers techniques, des métiers comme data analyst qui vont être plutôt des métiers scientifiques, ou des métiers comme web designer qui sont plutôt des métiers créatifs. On va vraiment avoir des métiers dans toutes les branches de l'informatique qui aujourd'hui sont les métiers d'aujourd'hui et donc les métiers de demain. Je vais à nouveau faire la pause pour répondre à une question. Alors, 2 ans de prépa plus 3 ans d'école d'ingénieur, c'est bien sûr convenable pour faire un métier de la cybersécurité. En gros, aujourd'hui, en informatique, moi, je travaille dans une école qui fait une formation en 5 ans dans laquelle il n'y a pas de prépa. Donc, il y a des écoles qui vont vous proposer de faire de l'informatique dès la sortie du bac plutôt que de faire 2 ans de prépa. Il faut savoir qu'en prépa, vous ne ferez pas ou presque pas d'informatique. C'est structurel à la façon dont sont faites les écoles d'ingénieurs en France. Donc, à Supinfo, par exemple, on n'a pas de prépa parce que justement, l'objectif, c'est que vous commenciez à faire de l'informatique dès la première année. En gros, le choix entre faire une prépa puis une école d'ingénieur ou faire une école spécialisée en informatique comme Supinfo, c'est vraiment choisir de commencer à faire de l'informatique maintenant en vous spécialisant un peu plus tard. Nous, on va commencer les spécialisations en cybersécurité en 3e ou en 4e année, mais par contre, vous aurez déjà fait 2 ans d'informatique généraliste avant, ou plutôt aller choisir une prépa où vous allez avoir plus de culture scientifique. Vous allez faire des maths, vous allez faire de la physique, vous allez faire de l'algorithmique, enfin des choses plus théoriques, et où par contre, vous commencerez l'informatique à proprement parler de façon intensive un peu plus tard, puisque ce sera plutôt au début de la première année d'école d'ingénieur. Alors, autant moi, pour de l'intelligence artificielle,
Même si on a des formations d'intelligence artificielle de très bonne qualité à Superinfo, si vous êtes sûr de vouloir faire de l'intelligence artificielle, le supplément de maths apporté par la prépa a clairement une plus-value, parce que l'intelligence artificielle, ça reste une discipline très théorique. Autant pour la cybersécurité, qui est un métier très, très appliqué, l'école d'ingénieur est viable, mais l'école spécialisée en informatique, pour se spécialiser en cybersécurité par ailleurs, est peut-être un choix plus simple, dans le sens où vous allez arriver au moment où vous allez commencer à faire de la sécurité avec un plus gros bagage en informatique généraliste, ce qui vous aidera après à justement pouvoir choisir vos postes et votre carrière. Donc, je vais cacher le commentaire. Je l'ai déjà dit, les métiers de l'informatique, il y en a des dizaines. J'ai mis une liste de noms, le but, c'est pas que vous les lisiez tout cela, mais c'est un peu de se donner une idée de l'énorme diversité qu'on peut avoir. Et je vais essayer de centraliser un peu sur les métiers auxquels on forme nous, qui sont les thématiques du salon aujourd'hui, donc qui vont être plutôt des métiers techniques. Donc, Superinfo, c'est une des plus vieilles écoles d'informatique française. Elle a été fondée il y a une cinquantaine d'années, avec, comme la plupart des écoles d'informatique, pour répondre à une question qui a été posée, des taux d'insertion en sortie d'école qui sont au-dessus de 95%, plus de 15 000 anciens qui travaillent dans à peu près toutes les grandes entreprises françaises. Et donc, dans Superinfo, on va choisir de former les étudiants à travers des spécialisations à ces différents métiers. Donc, on va avoir une première spécialisation qui va être une spécialisation plutôt cloud et web développement, qui va être plutôt celle qu'on va utiliser pour faire du développement web, de l'architecture cloud, ce genre de choses. Une spécialisation système, réseau et sécurité. Donc, on va traiter à la fois de la dimension cybersécurité et de la dimension, nous on considère que ce n'est pas vraiment séparable, architecture, réseau et donc organisation physique de l'informatique. Une spécialisation, donc intelligence artificielle, qui va être un peu plus mathématique. Et enfin, une spécialisation data engineering, qui est avec la cybersécurité, l'autre gros mouvement de croissance actuel dans le recrutement en informatique. Le cloud et le web développement étant plutôt... il y a eu énormément de croissance et là, on est plutôt sur une situation stable. Ces quatre domaines, c'est déjà des dizaines de métiers. Dans le développement web et cloud, on va pouvoir être développeur web, ingénieur cloud, développeur mobile, architecte cloud, expert SEO. J'ai mis quelques exemples. Dans le domaine de la sécurité système et réseau, on va être expert cybersécurité, pen tester, site reliability engineer. Alors, on parlait de métiers qui demandent de savoir gérer son stress, site reliability engineer. C'est un bon exemple, c'est un métier où vous allez être responsable du fait que les serveurs des très grandes entreprises continuent à fonctionner dans n'importe quelle condition. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, Facebook a cessé de fonctionner pendant 4 heures, c'était un événement assez incroyable, et donc il y a des security reliability engineers qui sont montés dans un avion pour aller sur les serveurs, voir les serveurs de Facebook, pour remettre tout ça en marche, avec là, pour le coup, il y a une... des pressions et des enjeux qui sont énormes, mais c'est aussi des métiers incroyablement gratifiants. Alors, ingénieur DevOps, qui va être un peu la même chose, mais sur le côté déploiement de code, et donc plutôt sur le côté programmation. On a donc une spécialisation de data engineering, on va être data analyst, data protection officer, c'est un peu comme ce dont je parlais à propos de la cybersécurité, c'est des métiers qui sont plus à l'intérieur de l'entreprise, architecte base de données, spécialiste NoSQL, là encore, j'ai donné que quelques exemples. L'intelligence artificielle, on va être plutôt ingénieur IA, expert robotique. La robotique a une très, très grosse consommation d'experts en intelligence artificielle, évidemment, ou ingénieur machine learning. Alors, je prends une autre question. Quelle formation faut-il choisir pour travailler dans la maintenance numérique? Y a-t-il des formations courtes pour travailler au plus vite, pour commencer à travailler au plus vite? Alors, tout à fait, il y a des formations courtes pour travailler dans la maintenance numérique. Je te conseille d'aller voir sur le site de la Grande École du Numérique qui pourra proposer effectivement des formations courtes. C'est typiquement, effectivement, pas des métiers où on va chercher, où c'est utile d'aller chercher une formation à Bac plus 3 ou à Bac plus 5. Il y a énormément de BTS qui forment ça, mais en dehors des BTS, il y a un certain nombre d'écoles au sein de la Grande École du Numérique qui vont avoir des formations courtes en maintenance numérique, en technicien support, etc. Si tu peux chercher, en dehors de maintenance numérique, l'autre mot-clé que tu peux chercher dans cette direction-là, c'est technicien support. Je n'ai pas de nom de formation comme ça, parce que nous, on est plutôt sur du Bac plus 5, mais il y a des formations, effectivement, sur 3 ou 6 mois dans ce type de domaine.
Donc, je vais essayer pour approfondir un peu, de creuser un peu un certain nombre de métiers de l'informatique. Alors, peut-être le métier qui est le plus près de la représentation collective qu'on a de l'informatique, c'est le métier de développeur full stack. Donc, ça va être quelqu'un qui va travailler dans le développement web au croisement de ce qu'on appelle le back office, c'est-à-dire les serveurs, les bases de données et le front office, donc tout ce qui est les interfaces que vous allez utiliser. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'autonomie, où on peut travailler dans des grosses équipes ou tout seul, et qui demandent de maîtriser pas mal de frameworks, de technologies différentes. Il faut être assez polyvalent. Un peu à l'extrême inverse, on va avoir un métier que je mentionnais tout à l'heure, qui est architecte réseau et cybersécurité, qui va être quelqu'un qui va être responsable de la sécurité de toute l'infrastructure d'une organisation. Donc, il ne va pas tellement intervenir sur les crises, mais plutôt sur ce qu'on appelle la gestion de risque, c'est-à-dire l'anticipation des crises. C'est des métiers qui demandent une très, très bonne vision globale, une très bonne capacité d'anticipation, d'organisation. Il faut être capable de voir où vont être les dangers principaux et de hiérarchiser en permanence, parce qu'en sécurité, un des enjeux principaux, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Alors oui, les écoles spécialisées en informatique durent 5 ans. Il existe des formations bachelor en 3 ans, mais aujourd'hui, la norme, c'est plutôt des formations en 5 ans, parce que c'est ce qui permet au mieux de gérer des carrières longues. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément avoir des postes très différents à la sortie d'une école en 5 ans ou à la sortie d'un bachelor, mais c'est à terme, dans le déroulé d'une carrière, que le fait d'avoir une formation en 5 ans va être un avantage. Je vais continuer un peu sur mon focus métier. On va reprendre un métier qui est plus orienté vers la gestion, comme manager de projet, parce qu'un informaticien, ça peut aussi être un manager, qui va piloter une équipe pluridisciplinaire. Il faut avoir une très bonne maîtrise de méthodologie, il faut être capable de se fixer des objectifs et de les atteindre, il faut avoir des très bonnes capacités de communication. Et c'est très utile d'avoir des gens avec une grosse compétence technique à ces postes-là, parce que c'est bien sûr plus facile de gérer une équipe d'informaticiens quand on a soi-même des bonnes connaissances à l'informatique. Dans les métiers qui sont des métiers relativement nouveaux, on peut aussi parler d'ingénieur DevOps. C'est un peu un métier qui est à la limite du développement logiciel et de l'infrastructure informatique, qui doit maîtriser la programmation et l'administration système en même temps. Là, c'est des métiers qu'on va plutôt trouver dans des moyennes ou dans des grandes structures, qui sont des métiers très complets parce qu'il faut communiquer avec énormément de domaines différents et avoir beaucoup de capacités d'adaptation à des problématiques métiers différentes. Alors, peut-on exercer dans la police après avoir suivi l'une de vos formations en cybersécurité ? Alors, tout à fait, la police et l'armée et les services de renseignement, on va dire, d'une façon plus générale, emploient bien sûr des étudiants formés en cybersécurité, essentiellement sur des postures défensives, c'est-à-dire pour essayer d'analyser, soit d'empêcher des attaques, soit d'analyser ce qui va plutôt être le travail. Empêcher des attaques, ça va plutôt être le travail des services de renseignement et éventuellement ponctuellement de l'armée, ou dans le cas de la police, plutôt d'analyser des crimes, des cybercrimes qui ont été commis et d'aller chercher les coupables. C'est utile d'avoir des connaissances en cybersécurité et des connaissances en droit, par exemple, ça peut rendre des services, mais c'est tout à fait, la police et la gendarmerie sont tout à fait des débouchés possibles pour des spécialistes en sécurité issus de Supinfo. Et donc, j'ai proposé deux autres métiers un peu plus orientés vers la data et l'intelligence artificielle. On a parfois un peu de mal à faire la différence entre les deux. Donc, je vais vous parler de data engineer. Alors, un data engineer, c'est plutôt quelqu'un qui va définir en fonction des objectifs de l'entreprise quelles données il faut collecter et comment est-ce qu'il faut les structurer. Donc, il faut très, très bien connaître les technologies de base de données. Il faut être capable de très bien comprendre aussi la problématique de l'entreprise. C'est-à-dire que les besoins en données ne vont pas être du tout les mêmes si vous êtes une entreprise qui fait du commerce en ligne que si vous êtes une administration ou si vous êtes une école. Et donc, il faut être capable de très bien comprendre le métier et les sources de données. Et donc, il doit être capable de produire des données qui sont adaptées à des outils scientifiques. C'est des gens qui doivent être polyvalents, très capables de travailler en équipe et avec toujours des grosses capacités de communication. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient très bien. Il faut vraiment se détacher du stéréotype du geek qui communique avec personne. Pour être informaticien aujourd'hui, il faut être capable de communiquer, d'expliquer ce qu'on fait et d'anticiper. Et de l'autre côté, un peu du data engineer, on a le spécialiste machine learning qui va être un peu peut-être plus près de l'image qu'on a de l'informaticien, parce que c'est la personne qui va paramétrer les intelligences artificielles, les entraîner et leur permettre de faire des prédictions à partir de données rendues disponibles par le data engineer. Là, pour le coup, c'est des métiers très scientifiques avec souvent des gens qui ont un très, très gros niveau en maths. Et donc, ça a aussi une autre discipline de l'informatique. Alors, j'ai un peu parlé des métiers de demain, maintenant, parce que je considère vraiment que les métiers
de demain en informatique. C'est les métiers qui émergent maintenant. Et je voulais quand même prendre les quelques minutes de fin de cette conférence pour vous parler un peu d'après-demain et des métiers qui seront peut-être les métiers émergents dans 10-15 ans et qu'on commence à voir apparaître. On parle beaucoup, vous avez forcément entendu parler, de blockchain, vous avez peut-être entendu parler d'informatique quantique, de gros hacking, d'apprentissage. Une autre tendance très lourde de l'évolution de l'informatique, c'est l'importance des contenus. Une entreprise comme Facebook aujourd'hui, comme Twitter, qui est au centre de pas mal de controverses sur son rachat, c'est des entreprises qui fondamentalement vivent à travers le contenu qu'elles permettent de partager, de produire. Et cette analyse et cette expérience du contenu, c'est quelque chose de plus en plus important en informatique et qui va, moi je pense, j'en prends le pari, encore se développer dans les années à venir. Alors je vais essayer de vous parler un peu plus spécifiquement de quelques domaines. C'est évidemment pas possible de tout couvrir dans une conférence d'une demi-heure. Si j'avais dû dire tout ce que j'ai envie de dire, la conférence aurait duré 4 heures. Un des gros enjeux d'après-demain, c'est l'informatique quantique. On en est à peu près sûr. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas si après-demain, c'est dans 5 ans ou c'est dans 20 ans aujourd'hui. L'informatique quantique, ça va vraiment changer profondément l'approche de l'informatique dans probablement les mêmes proportions que ce qu'Internet a fait il y a une grosse vingtaine d'années. C'est quelque chose que c'est hyper important que vous ayez en tête. J'imagine que la plupart d'entre vous sont entre la sortie du bac et la fin de vos études. En pratique, Internet, il y a 20 ans, ça, c'était globalement pas complètement mainstream. Et il y a 25 ans, en France, c'était un truc vraiment réservé aux geeks. L'informatique, ça évolue très, très vite. Et donc, dans 20 ou 25 ans, l'informatique quantique peut être un énorme sujet. Ça va être révolutionnaire parce que ça change complètement la façon dont les ordinateurs font les calculs. Et donc, ça va supposer de repenser toute notre façon de voir l'informatique avec normalement des gains de performance absolument colossaux. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs quantiques qui marchent, qui sont pour le moment beaucoup trop gros et beaucoup trop chers pour être utilisables. Mais si on doit utiliser l'expérience de l'informatique traditionnelle, ça peut probablement aller très, très vite à partir de maintenant. Un autre domaine qui est peut-être pour du plus court terme que l'informatique quantique, c'est tout ce qui va concerner la blockchain et le Web 3.0. Alors là, il y a encore pas mal d'incertitudes, c'est très à la mode. Aujourd'hui, en pratique, le seul sujet vraiment certain là-dessus, c'est tout ce qui va concerner la finance, les crypto-monnaies et les NFT, qui sont quand même une émanation indirecte des crypto-monnaies, si ce sont des termes qui vous parlent. Mais à terme, même si la blockchain en elle-même n'est pas forcément, à mon avis, le centre technique de tout ça, le Web 3.0 est donc une nouvelle étape de décentralisation du web. C'est probablement quelque chose qui, on parlait de contenu précédemment, va avoir énormément d'influence. Je vais faire une pause pour la question. Oui, la sécurité est un sujet qui durera sur le long terme. C'est même le sujet dont on est le plus sûr qu'il ne changera pas. Quels que soient les technos qu'on utilisera demain, quels que soient les progrès qu'on fait demain, la confidentialité, la sécurité, la préservation de l'intégrité des données des individus et des entreprises, ça restera forcément des sujets extrêmement importants. Après, le danger de la cybersécurité, c'est qu'il ne faut pas la romantiser, entre guillemets. L'essentiel de la cybersécurité, c'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on garde des données sécurisées, comment est-ce qu'on réserve l'accès des sites web, etc. La partie vraiment hacking, comme ce qu'on peut voir au cinéma, c'est un métier qui existe complètement, mais ce n'est pas du tout la majorité de ce qui fait la cybersécurité aujourd'hui. Mais c'est les métiers de la sécurité, c'est justement des métiers passionnants parce qu'ils ont une dimension technique, ils ont une dimension humaine, ils ont une dimension entreprise, ils ont une dimension créative. C'est vraiment des métiers absolument passionnants et il n'y a aucun doute quant au fait que ce sera des métiers de long terme. D'une façon générale, par ailleurs, comme c'est, quand on est informaticien, relativement aisé de se reconvertir d'une branche à une autre, les métiers de l'informatique sont des métiers d'avenir parce que quand bien même vous vous retrouveriez dans une branche, la blockchain par exemple, on peut imaginer que dans 20 ans, ça n'est plus la même place, vous aurez acquis des compétences qui vous permettent de travailler en sécurité, dans le web, etc. Un autre sujet qui, je pense, va connaître une croissance colossale dans les années à venir, c'est tout ce qui touche le Green IT et le développement durable. On commence à en parler. Alors là-dedans, il y a une petite dimension qui est la consommation énergétique de l'informatique en elle-même, mais qui sera une dimension qui sera probablement résolue assez vite maintenant. Mais au-delà de ça, il y a la question de comment est-ce que l'informatique peut contribuer d'une façon plus générale à la diminution de l'impact de l'homme sur la planète. Et c'est clairement un sujet qui est aujourd'hui très dynamique et qui créera des nouveaux métiers à terme, absolument sans aucun doute.
tout ce qui va concerner finalement le. J'ai parlé précédemment de données d'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on, l'impression qu'on a de l'extérieur, toute la gestion de données, c'est encore relativement manuel, c'est-à-dire qu'il faut des êtres humains qui réfléchissent à quoi servent les données, qui les, ce qu'on appelle les normalisent, qui les trient, qui les. Et je pense que ce qu'on appelle le data warehouse intelligence, c'est-à-dire la gestion complètement automatisée de ces données, c'est aussi quelque chose qui va avoir un développement significatif dans les années à venir et qui va vraiment offrir des perspectives passionnantes. La confidentialité et la sécurité, je l'ai dit, c'est un métier d'avenir aujourd'hui, ce sera un métier d'avenir demain. Je ne vois pas de futur pour l'humanité où le fait de pouvoir garder certaines choses secrètes, de pouvoir garder certaines choses privées, de pouvoir empêcher l'accès à certaines choses et de pouvoir partager certaines choses de façon sécurisée, soit pas un enjeu très important. Et c'est des métiers qui se renouvellent en permanence, puisque c'est une espèce de course permanente entre les gens qui attaquent et les gens qui défendent, et de besoin de formation des utilisateurs. J'en ai déjà parlé, mais le content management et tout ce qui va avoir trait à la gestion des informations disponibles sur Internet, c'est quelque chose qui va continuer à se développer très très vite, et où il y a plein de perspectives enthousiasmantes. Donc je vais me dépêcher, je crois. On pourrait aussi parler d'IoT, d'évangélisme tech, de technologie créative, d'informatique quantique, je l'ai déjà dit. Je vous invite, comme indiqué dans le chat, à me rejoindre. Je vais me rendre moi tout de suite sur le site de Supinfo si vous avez d'autres questions. Oui, on peut tout à fait envisager de devenir DSI ou un poste supplémentaire après une formation à Supinfo. DSI, ce n'est pas forcément, en fonction de la taille de l'entreprise, un poste de sortie d'école, même si dans une petite entreprise, ça peut tout à fait être envisageable. Mais en tout cas, rentrer dans la DSI d'une entreprise avec l'hypothèse d'évoluer vers le poste de DSI, c'est complètement un des objectifs de nos formations et on vous donnera tout à fait les outils pour atteindre cet objectif. Je vous remercie à tous pour votre temps et pour votre attention. Venez nous rendre visite sur le site de Supinfo. Je serai moi là à nouveau là pour répondre à toutes vos questions avec mon équipe et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser vite en vrai dans un de nos campus. Et je vous souhaite une bonne fin de salon et une bonne suite de scolarité à tous et une bonne fin de journée. Au revoir. Il faut aller sur le stand Supinfo dans le salon Studiorama.